2018 a été une année difficile. Nous nous y attendions. Le président Macron l'avait anticipé. Peut-être pas à ce point-là. Mais il nous avait prévenu. Cela allait tanguer. Il faudrait s'accrocher. Et cela a tangué. Réformer notre pays n'est pas chose aisée. Pour 2019, je souhaite pourtant que le programme de réforme se poursuive, car je reste convaincue qu'il est nécessaire à la France, qu'il est conforme à l'intérêt général. Je souhaite que la transformation de notre pays se concrétise et profite à ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas de travail et en cherchent, ceux qui en ont et qui voudraient faire plus ou mieux. Je souhaite qu'un vent de dynamisme souffle sur la France. Je souhaite que le jaune qui est apparu dans l'Hexagone et qu'on retrouve sur les étoiles de notre drapeau européen soit le symbole des valeurs sociales que l'Europe doit de plus en plus incarner. Je souhaite, parallèlement, que nous passions du jaune au vert, entraînant tous les citoyens et acteurs économiques vers une transition énergétique qui est l'affaire de tous. Bonne et heureuse année, et surtout, bonne santé à tous et toutes.